Bonjour à tous et à tous. Merci d'être là à 10h du mat pour écouter ce qu'on va vous dire. Du coup, pour se représenter un peu, moi je m'appelle Morgane Yakelef, je suis étudiante en dernière année à l'INSA de Toulouse. Et du coup, je suis avec Orlène Ketsa et Alexandre Congalfès qui sont eux en dernière année à l'INP N7. Du coup, on s'est rencontrés cette année grâce à la formation TELESEC. C'est une formation de dernière année d'école d'ingénieur, du coup, qui est à Toulouse et qui est co-portée par l'INSA, l'INP et l'ENAC. Ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est a été notre projet de fin d'études et on a été supervisé par deux personnes incroyables qui ne sont pas là aujourd'hui mais qu'on remercie chaleureusement, qui sont Romain Kerr, qui est un post-doctorant à Eurecom, et Vincent Nicomet, qui est enseignant-chercheur au LAS CNRS. Du coup, maintenant qu'on s'est présenté, on va pouvoir rentrer un peu dans le vif du sujet. Le premier objet connecté à Internet, c'était un distributeur de boissons automatiques dans une université à Pittsburgh, en Pennsylvanie, dans les années 80. Et depuis ce moment-là, tout ce qui est l'IoT, ça a été vraiment en plein essor. L'IoT, aujourd'hui, c'est dans nos vies un peu partout, dans plein de domaines différents, que ce soit le médical, les infrastructures urbaines, aussi nos appareils domestiques. On a plein de petits appareils domestiques qui sont connectés à Internet. Et également aussi, il y a des grosses industries manufacturières qui utilisent des appareils connectés à Internet. Du coup, on peut se dire, waouh, c'est partout, c'est trop bien, ça peut vraiment révolutionner nos vies. Mais comme on dit, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Et là, les responsabilités qu'on demande à l'IoT, c'est en termes de sécurité. Parce qu'en effet, il y a de plus en plus d'objets connectés, mais ils sont souvent peu ou pas sécurisés. Du coup, ça a demandé à des gens, à des analystes de sécurité, de vérifier derrière la sécurité, que ce soit la sécurité matérielle, la sécurité des systèmes informatiques, ou encore la sécurité au niveau des communications. Ici, la communication qu'on va vous parler principalement, c'est via le protocole Bluetooth Low Energy, qui est beaucoup, beaucoup utilisé dans l'IoT, parce que ça permet de protéger les batteries, parce que ça prend moins de consommation, donc les batteries durent plus longtemps. C'est vraiment idéal pour les petites communications de petits paquets. Grâce au Bluetooth Low Energy, on a vraiment beaucoup d'applications sur mobile qui permettent que nos objets d'IoT, on puisse les contrôler sur notre smartphone, dans la poignée de main. Du coup, là, ce qu'on va vous présenter, c'est vraiment un cas d'exemple de ce qu'on peut trouver en petits objets du quotidien qui sont connectés à Internet. Du coup, dans les 40 prochaines minutes, on va commencer par vous présenter un peu le canal qu'on a utilisé, que vous sachiez quand même de quoi on parle. On va vous reparler un peu du protocole Bluetooth Low Energy pour ceux qui ne connaissent pas trop ou ceux qui connaissent, puis on vous rappelle un peu qu'est-ce que c'est. On parlera de Mirage, c'est le framework qu'on a utilisé pour faire certaines de nos attaques. Et ensuite, on va vraiment parler dans le gros du sujet, avec l'analyse statique et dynamique qu'on a réalisée, les exploits qu'on a pu faire, on vous montrera des petites vidéos. Et enfin, on ne va pas vous laisser sans fin, on va vous dire un peu qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour améliorer la sécurité de ce cadre-là. Donc, je vais laisser la parole à Orlène. Non, c'est toujours moi qui parle. Du coup, ce cadenas, il est assez simple. C'est un tout petit cadenas, comme vous pouvez le voir. Il est tout petit, il tient dans la main. Et on peut se dire, waouh, il est trop pratique. Parce que ce cadenas, du coup, on peut le déverrouiller de deux méthodes. À la fois, avec, comme vous voyez au milieu, il y a un petit cercle. Du coup, on peut rentrer son empreinte digitale. Et l'autre façon, c'est via l'application. Une fois que vous êtes connecté, qu'on vous a donné les droits, vous avez un gros bouton en mode déverrouiller le cadenas. Ensuite... ce cadenas, il est assez intéressant parce que ce n'est pas nous qui choisissons qui sont administrateurs, c'est juste les deux premières personnes qui se connectent. Boum, ils ont des droits en plus. Ils peuvent choisir de reset le cadenas, ils peuvent choisir d'ajouter des droits à d'autres gens. Ils sont vraiment genre les rois sous le cadenas. On peut avoir jusqu'à 20 empreintes, donc si vous êtes une grosse famille de 40, vous ne pourrez pas mettre autant d'empreintes. Et on a ce qui s'appelle un mode hors ligne. Du coup, si au cas où vous êtes en mode avion, au cas où vous n'avez pas Internet, vous passez sous un tunnel, vous pourrez quand même déverrouiller le cadenas à partir de votre téléphone, juste grâce à l'application. Vous êtes en mode hors ligne, vous continuez à appuyer sur le bouton et ça se déverrouille. On en parlera plus tard, mais ce mode hors ligne, il pose beaucoup de soucis au niveau sécurité. Et cette fois, pour de vrai, Orlène va vous présenter le protocole Bluetooth Low Energy. Merci beaucoup, Morgane. Je vais revenir sur le protocole Bluetooth Low Energy. Il a été créé en 2011 et il est apparu dans la version 4.0 du Bluetooth. Et sa particularité, c'est qu'il consomme très peu d'énergie. Donc, il est très utilisé dans le monde de l'IoT. Et aussi, il possède des mécanismes de sécurité incorporés qui sont malheureusement très peu utilisés. Donc, nous allons un peu voir la
pile protocolaire du protocole Bluetooth Low Energy qui se constitue en trois couches, notamment la couche application qui est la plus haute, ensuite la couche haute qui est celle du milieu et enfin la couche contrôleur. Entre la couche haute et la couche contrôleur, il y a une interface qui s'appelle HCI et qui permet l'interconnexion entre la communication entre la couche haute et la couche contrôleur. En ce qui concerne la couche contrôleur, qui est la plus basse, elle est constituée de la couche physique et de la couche liaison. Le protocole Bluetooth Low Energy sépare sa bande de fréquence en 40 canaux, parmi lesquels 3 sont utilisés pour de l'advertisement, l'advertisement sur lequel je vais revenir plus tard, et les 37 autres canaux sont utilisés pour transmettre de la donnée. La couche liaison, quant à elle, possède 5 modes de connexion, parmi lesquels le mode connection et le mode advertising. Le mode advertising utilise les 3 canaux d'advertisement de la couche physique pour envoyer des messages de broadcast et dire aux appareils qui sont à côté de lui « Coucou, je veux communiquer ». Et le mode connexion utilise les 37 autres canaux restants pour transmettre de la donnée. La couche haute, quant à elle, possède beaucoup de couches, notamment la couche GAP, Generic Access Profile, qui permet de définir comment est-ce que le protocole Bluetooth Low Energy va communiquer avec les équipements. Elle possède 2 rôles, notamment le rôle broadcaster et observer. Le broadcaster envoie des messages de broadcast pour essayer de se connecter, et l'observer, il reste à l'écoute des messages de broadcast et va définir s'il va initier ou non une communication. La couche ATT, Attribute Protocol, implémente le modèle client-serveur et possède de ce fait 2 rôles, notamment le rôle client et le rôle serveur. Elle va définir comment est-ce que le serveur va exposer ses données au client, et les données seront exposées sous forme d'attributs. On peut voir un attribut ici comme une simple donnée. Et aussi, ce qui est important de mentionner, c'est que dans la couche ATT, on a un certain nombre de messages qui peuvent être des write commands ou alors des notifications. Les write commands sont des messages qui sont transmis du client vers le serveur, et les notifications sont des réponses renvoyées par le serveur au client. La couche GAT, Generic Attribute Profile, c'est aussi une couche très importante dans le protocole Bluetooth Low Energy, parce qu'elle va définir le format des services et des caractéristiques dans la communication de manière générale. Elle possède deux rôles également, le rôle client et le rôle serveur. Et petite parenthèse, un service est constitué de une ou de plusieurs caractéristiques. Dans le cadre de notre exemple avec le téléphone et le cadenas joue ici le rôle de serveur et de client, et il va tout naturellement exposer des services qui pourront être accédés par le client qui a le téléphone. Par exemple, comme service, on peut avoir le niveau de batterie, et comme caractéristique que le téléphone peut vouloir avoir accès, on peut avoir la mesure du niveau de batterie et la position du capteur du niveau de batterie à l'intérieur du cadenas. Et enfin, on a la couche la plus haute, qui est la couche application. Maintenant, nous allons voir un peu en détail ce que c'est l'outil Mirage que nous avons utilisé dans le cadre de ce projet. Et je vais laisser la place à Alexandre pour vous présenter un peu plus en détail cet outil. Merci, Orlène. Donc, pour réaliser ces attaques, nous avons utilisé donc le framework Mirage, qui a justement été développé donc par Romain Kerr, qui nous encadrait. Je vous ai mis le lien GitHub pour ceux qui voudraient aller y jeter un coup d'œil. Donc Mirage, c'est un outil très très puissant qui permet d'attaquer plusieurs protocoles wireless, mais nous, donc, on s'est contenté du Bluetooth Low Energy. Il possède de nombreux modules, donc ça soit pour de l'écoute passive, des attaques actives également, et du recueil d'informations. Nous, donc, on s'est contenté d'utiliser les modules du Bluetooth Low Energy, et plus particulièrement 4 modules que je vais vous présenter. Donc le premier, qui s'appelle BLE Scan,
donc qui permet tout simplement de scanner l'environnement autour de soi et de voir les appareils qui sont en mode advertising, et on peut récupérer leur adresse BD. Donc cette adresse sera tout particulièrement utile pour les prochains modules. Donc là, on récupère l'adresse BD du cadenas. Ensuite, on peut se connecter au cadenas avec cette adresse qu'on vient de récupérer, avec le module BLE Connect, et on peut chaîner ce module, c'est quelque chose qui est très pratique sous Mirage, avec le module BLE Discover, qui permet de lister l'ensemble des services et des caractéristiques qui sont dans le cadenas, comme vous a présenté Orlène juste avant, donc les services GAT. Ensuite, donc là, on connaît son adresse, on arrive à avoir l'ensemble de ses services et de ses caractéristiques. Maintenant, ce qui pourrait être intéressant de faire, c'est de sniffer les connexions qu'il y a entre le cadenas et le téléphone. Et pour ce faire, on a utilisé le module Man in the Middle. On aurait pu se contenter d'utiliser un module sniffing classique, mais le problème du Bluetooth Low Energy, c'est que pour empêcher les interférences, lors d'une même connexion, il y a des sauts au niveau des canaux. La connexion ne reste pas tout le temps sur le même canal et c'est parfois difficile de traquer ces sauts de canaux. Donc c'est plus simple de faire un man in the middle et juste de rester silencieux et de ne rien faire. Je vais redonner la parole à Orlène qui va vous parler de l'analyse dynamique. Alors, pour commencer l'étude de notre cadenas, nous avons tout d'abord fait une analyse dynamique des communications qui étaient échangées entre le cadenas et le téléphone. Et pour ce faire, nous avons fait tout bêtement un man in the middle pour écouter ce qui était, ce qu'il se disait. Donc là, on lance le man in the middle entre les deux équipements. Ensuite, on connecte le téléphone au cadenas et là, on a les messages qui sont échangés durant le déblocage du cadenas. Donc là, ils sont affichés un peu plus clairs. Et si on regarde un peu plus en détail, on va voir des informations qui nous interpellent de manière générale, notamment les write commands et les notifications que j'ai évoquées plus tôt dans la présentation. Pour essayer de mieux interpréter ces messages, nous avons essayé de les formater. Et pour essayer de mieux les comprendre également, nous avons écouté plusieurs communications. Là, on en a affiché deux. Et pour chaque type de communication, la première ligne correspond à la première communication qui a été écoutée. Et la deuxième ligne correspond à la deuxième communication. Et il s'agit là des messages échangés lors du déblocage du cadenas. On peut constater qu'il y a une en-tête qui est pratiquement la même. Et un nombre fixe de caractères après cette en-tête. Ça signifie quoi ? On a des suspicions, mais on va essayer de voir un peu d'autres communications pour essayer de les interpréter. Donc, on a fait pareil pour la lecture d'empreintes digitales au niveau du cadenas. On a écouté la connexion pour voir ce qui se disait. On a également vu des read commands et des notifications qu'on a formatées également de cette manière pour essayer de les interpréter toujours. On a écouté deux communications et on remarque qu'il y a une en-tête également et un nombre de caractères ensuite qui est incompréhensible. Donc, notre intuition à ce niveau serait que les messages sont chiffrés. Et étant donné qu'on a des blocs qui se répètent, il pourrait s'agir de l'algorithme de chiffrement AES-ECB. Mais ce sont juste des intuitions, des suspicions. Par la suite, on va essayer de faire le reverse engineering de l'application mobile pour essayer de mieux comprendre ces informations qu'on a pour le moment. Comme l'a dit Orlène, du coup, là, on a récupéré pas mal d'infos parce qu'on a quand même réussi à récupérer des communications entre l'application et cadenas, mais on se retrouve un peu bloqué. Donc, on n'avait pas s'arrêté à juste une analyse dynamique. On a essayé de parer un peu notre blocage avec une analyse statique qui est passée par reverse engineering. Donc, pour ça, on a tout simplement récupéré l'APK de l'application et on a essayé de trouver des trucs sympas dedans. On a utilisé l'outil qui s'appelle GADX parce que l'application était codée en Java. Et on avait quand même trois gros objectifs, vraiment des gros objectifs pas très définis, mais on savait vers où on voulait aller. Le premier but, c'était de comprendre comment l'application marchait. Dans le sens où nous, on pouvait l'avoir dans la main, dans nos smartphones, et avoir l'expérience utilisateur, mais au niveau de ce qui se passait derrière au code, on ne comprenait pas trop. Du coup, avec le reverse, c'était un de nos objectifs de mieux comprendre cette application. Ensuite, on voulait mieux comprendre aussi les interactions du coup, entre le cadenas et l'application. Parce que comme on a dit, on a réussi à intercepter des communications, mais on ne sait pas trop c'est quoi, qu'est-ce qui se passe. Le but là, de cette partie de reverse, c'était de comprendre ces messages qu'on avait interceptés, qu'est-ce que c'était et pourquoi ils étaient là.
Et enfin, on avait un petit espoir de trouver des informations écrites en dur dans le code. Spoiler, c'est le cas, vous le verrez dans quelques minutes. Du coup, quand on commence un reverse, quand on en a peu ou pas trop fait, ça peut être assez compliqué, un peu comme chercher une aiguille dans une boîte de foin. Mais là, on va montrer du coup, nous, les deux méthodes qu'on a utilisées qui nous ont permis un peu de se débloquer et trouver des infos sur ce cadenas. La première méthode, ça a été de chercher des mots-clés. Donc, on a vraiment essayé de chercher des mots-clés en particulier. Sur la plupart des outils, on a une petite loupe, on peut mettre des mots et ça nous cherche dans le code où est-ce qu'ils sont. Comme l'a dit Orlène, on avait quand même un gros pressentiment que ça utilisait des algorithmes de chiffrement, notamment potentiellement AES-ECB. Du coup, nous, qu'est-ce qu'on a fait? Tout bêtement, on a tapé AES, on a regardé qu'est-ce que ça nous donnait. Bingo, on a trouvé des classes hyper intéressantes qui entraient en jeu dans le chiffrement des messages. Et en plus d'entrer en jeu dans le chiffrement des messages, qu'est-ce qu'on a trouvé? La clé de déchiffrement. Du coup, AES-ECB, c'est un algorithme symétrique. Du coup, la clé de chiffrement, c'est aussi la clé de déchiffrement. À partir du moment où on a récupéré cette clé, on était à la fois capable de déchiffrer les messages qu'on avait récupérés au préalable, mais à la fois chiffrer des messages que nous voudrions envoyer au cadenas. Donc, on avait du lourd, là, quand même. Petit rappel, du coup, juste pour AES-ECB, qu'est-ce que c'est? C'est un algorithme de chiffrement qui, du coup, est symétrique. Il va couper vos messages en blocs, souvent de 128 bits, et les chiffrer un par un. Du coup, les messages sont vraiment chiffrés de manière indépendante et il n'y a pas de diffusion. Donc, pour un même clair donné, on aura le même chiffré. C'est pour ça que nous, on a déjà commencé à avoir des patterns dans ce qu'on avait récupéré et qu'on avait pressenti que c'était cet algorithme-là. Ensuite, deuxième méthode pour un peu essayer de trouver des infos quand on fait du reverse, quand on est assez bas niveau comme nous et qu'on n'en a pas fait depuis longtemps, c'est un peu lire ce qu'on voit et essayer de remonter à d'autres infos qui sont intéressantes. Du coup, on a pu remonter à partir des classes de chiffrement qu'on avait trouvées, voir où est-ce qu'elles étaient mises en œuvre, où est-ce qu'elles rentraient en jeu, et voir à peu près... petit par petit, remonter à des classes qui étaient plus ou moins intéressantes. Et on a trouvé une classe qui est hyper cool, qu'on a appelée nous-mêmes, parce qu'on n'avait pas les noms des classes de base, on l'a appelée nous-mêmes Packet Builder. Et comme vous pouvez voir, du coup, c'est une classe où on voit vraiment ligne par ligne qu'est-ce qui sera dans le message et la taille de ce qu'il faut mettre pour que notre message il soit, on va dire, accepté par le cadenas et qu'il soit recevable et valide. Donc là, l'exemple que vous avez, comme c'est marqué dans le string, c'est pour supprimer les empreintes. Et on a vraiment, du coup, les quatre infos qu'on sait qu'on va devoir mettre après pour que notre message, si on veut, nous supprimer des empreintes en tant que personne qui, de base, on n'est pas l'application, que notre message il marche et que le cadenas soit en mode « Ok, je supprime ». Du coup, c'était plutôt sympa d'avoir trouvé ces deux infos et Orlène va vous montrer qu'est-ce qu'on en a fait. Donc, normalement, là, on est bon. On a une clé de chiffrement, on sait comment les messages sont formés de manière générale, donc on peut faire des choses, on peut comprendre les messages qu'on a écoutés précédemment. Et pour l'exemple, nous avons déchiffré les messages issus de la communication lors du déverrouillage du cadenas. Donc on va se servir de la classe Packet Builder qu'on a trouvée. On va prendre le premier message Write Comment pour petite piqûre de rappel, les write commands sont des messages qui sont échangés, qui sont envoyés du téléphone au cadenas. Donc, on a le premier message, on le déchiffre tout bêtement avec la clé de chiffrement, qui est aussi la clé de déchiffrement. Et la classe Packet Builder nous dit que les deux premiers octets sont pour la longueur et c'est fixe. Ensuite, on a un opcode et un timestamp qui est variable. À la suite de la commande de la write command, le cadenas va répondre à travers une notification et à l'intérieur de la notification, il y aura un challenge qui sera utilisé par la suite par le téléphone pour forger le message de déverrouillage du cadenas proprement dit. Donc, le message de déverrouillage proprement dit, pour être accepté par le cadenas, il doit être premièrement bien formé, c'est-à-dire respecter le format inscrit dans la classe Packet Builder. Deuxièmement, il doit avoir le challenge, mais chiffré, le challenge chiffré. Ensuite, un timestamp valide. On va voir par la suite ce que c'est un timestamp valide. Et enfin, le lock ID. Le lock ID, c'est un numéro unique à chaque cadenas. Et il est unique, il ne change pas en fonction de la communication. Et
Il est important de rappeler aussi qu'il est sur SiteJIT, donc il est très facile de faire un brute force dessus. Donc là, on a à peu près toutes les cartes pour écrire des exploits, pour faire des exploits sur le cadenas et l'utiliser de manière malveillante. Donc par la suite, on va vous présenter quelques cas d'usage qu'on a pu, quelques exploits qu'on a pu faire au niveau du cadenas. Donc on passe à la partie exploits. Pour les exploits, on a toujours utilisé la même méthodologie. Donc la première étape, c'était d'intercepter la communication, une communication authentique, grâce au module donc BLE Man in the Middle. Ensuite, une fois qu'on avait intercepté cette communication, on était capable de la déchiffrer, puisqu'on a trouvé la clé de chiffrement dans l'APK. Et une fois que c'est déchiffré, bah, on va essayer de forger des paquets nous-mêmes et donc d'exploiter cette communication. On a réussi à faire 3 exploits différents. Donc le premier, on peut dire le plus classique, c'est réussir à déverrouiller le cadenas de manière illégitime. Le second, il consiste à réussir à supprimer une empreinte digitale qui est enregistrée dans l'application mobile. Et le troisième, je reviendrai dessus un peu plus tard parce qu'il est un petit peu particulier, c'est l'exploit qui s'appelle Reset, donc qui consiste à remettre à zéro tout ce qui se passe, mais on va voir que ce n'est pas réellement le cas. Donc le premier exploit qui consiste à déverrouiller le cadenas de manière illégitime, il y a 4 messages qui sont échangés dans cette communication. Donc le premier, c'est le téléphone qui contacte le cadenas, qui est en mode advertising pour lui dire « Eh oh, j'aimerais bien me connecter pour pouvoir te déverrouiller ». Le cadenas lui répond avec un challenge à l'intérieur. Et ce challenge sera réutilisé dans le troisième message. En fait, nous, on est obligé de le chiffrer avec la clé de chiffrement qu'on a trouvée et de lui renvoyer. Et enfin, on nous répond avec une notification de déverrouillage. Pour que ça marche, il faut donc réussir à intercepter le challenge à la volée et le renvoyer de manière chiffrée. Il faut envoyer des timestamps qui sont valides. Donc timestamp 1 doit être inférieur au 2, qui est lui-même inférieur au 3. Et il faut envoyer le lock ID dans le troisième message. Donc comme vous l'avez vu juste avant, c'est un chiffre en ASCII, pardon, qui est une constante et qui est unique pour chaque cadenas. Donc pour l'avoir, il faut soit réussir à intercepter une communication, soit on peut essayer de le brute force. Et donc quand on arrive à faire tout ça, bah bingo, ça se déverrouille. Donc il y a une petite démonstration. Donc on clique sur le cadenas pour le mettre en mode advertising. Notre script arrive à le détecter, il se connecte, il s'exécute et le cadenas se déverrouille. Donc pour le second exploit, encore une fois, on a intercepté la communication quand on voulait supprimer une empreinte digitale qui était enregistrée. Et on a regardé ce qui se passait. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a plus de messages. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les timestamps doivent toujours être valides. Il faut toujours intercepter le challenge et le renvoyer cette fois-ci, mais 3 fois. Donc le renvoyer de manière chiffrée. Toujours utiliser le lock ID qui est le même. Et il faut envoyer une fingerprint ID dans la commande delete fingerprint. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est? Si vous avez N empreintes digitales enregistrées sur l'application, les ID iront de 0 à N-1 tout simplement. Donc pour la petite démonstration, ici on a une seule empreinte digitale qui est enregistrée dans l'application, donc son ID est 0 tout simplement. Donc là vous avez la liste des empreintes digitales, il y en a une seule, elle fonctionne bien, et on va lancer le script avec fingerprint ID 0, et la fingerprint se sera bien supprimée, et le cadenas ne pourra plus être déverrouillé. Et là, on accède à l'application, l'empreinte digitale a disparu, et elle ne fonctionne plus. Et enfin, le dernier exploit, donc, qui s'appelle Reset Exploit, il est très très simple pour le coup, seulement 2 timestamps, donc il n'y a pas de souci. Le challenge encore qu'il faut renvoyer de manière chiffrée et le lock ID qu'on connaît déjà. Mais les résultats de cet exploit sont vraiment étranges. Donc la première conséquence, c'est que tous les utilisateurs qui ne sont pas admins n'ont plus accès à l'application pour déverrouiller le cadenas et leur empreinte digitale ne fonctionne plus. Sauf que ça, c'est temporaire en fait. Ils peuvent regagner l'accès dès qu'un admin se reconnecte au cadenas. Donc c'est assez particulier comme situation.
Et enfin, ça n'affecte pas tous les utilisateurs qui étaient hors ligne pendant que l'exploit s'est lancé. Donc si vous étiez hors ligne, que l'exploit se lance, vous pouvez toujours déverrouiller le cadenas, même si vous n'êtes pas admin. Donc on va voir que ça pose plein de soucis de sécurité, ce mode hors ligne qui a l'air totalement disjoint du mode en ligne. Je laisse Morgane pour la suite. Du coup, je pense que je vais choquer personne si je dis que la sécurité de ce cadenas n'est pas ouf. Donc on voulait un peu terminer sur qu'est-ce qui aurait pu être fait différemment ou totalement changé pour que ça soit un peu mieux que ce cadenas. Tout d'abord, on va parler de tout ce qui est la cryptographie en général dans ce cadenas. En général, maintenant, en 2023, quand on veut chiffrer des données, on ne va pas utiliser RSECB, parce que, comme on l'a dit, c'est assez facile, par des attaques statistiques, de retrouver les informations qu'on a besoin, parce que pour un même bloc de clair, on aura le même bloc de chiffré en sortie. Pareil, enfin, AES-ECB, ça ne conserve pas l'intégrité et c'est vulnérable aux attaques, du coup, par aussi rejeu. En général, on ne va pas utiliser ça. Là, bon, on est sur un petit objet qui n'est pas super... c'est pas l'objet du monde, mais on ne sait jamais si quelqu'un se dit hey, « si je le mettais sur mon coffre-fort avec 5000 euros et que dedans c'est AES-ECB, enfin, ça va vite être cassé et donc ça ne va pas trop marcher. » On a aussi vu qu'il y avait une clé, donc du coup, ce qu'on avait appelé, enfin, la clé de chiffrement, elle est la même pour tous les cadenas, parce que du coup, elle est dans l'APK. Donc, à partir du moment où vous avez réussi un exploit pour un cadenas, bah, tous les autres cadenas de cette même marque, ce même constructeur, vous pourrez refaire exactement la même chose, bon, avec le lock ID, etc. Mais parce que la clé de chiffrement, elle ne change pas. Et pareil, cette clé de chiffrement, elle est écrite en dur dans l'APK, bah, faut pas le faire. Idéalement, donc niveau cryptographie, il aurait fallu utiliser un algorithme un peu plus robuste, donc pas AES-ECB. En ce qui concerne l'APK, bon, là encore, on a vu que ça nous a un peu donné genre des ailes parce qu'on a trouvé tout ce qu'on avait besoin. On avait trouvé la clé de chiffrement, on a trouvé comment on écrivait des messages, comment qu'est-ce qu'il fallait mettre dans ces messages. On avait vraiment toutes les infos possibles. Du coup, il faudrait réussir à cacher ces informations-là. Au minimum, les classes qui contiennent les informations critiques, mais au mieux, il faudrait cacher toutes les informations de l'APK. Pour ça, c'est pas trop compliqué, il suffit juste de l'obfusquer. Donc, une fois le code il est fait, on obfusque un peu, et comme ça, c'est un peu plus dur pour des attaquants de trouver les infos qu'ils cherchent. En ce qui concerne la communication, donc communication entre l'application et le cadenas, on a pu voir qu'on avait le lock ID, donc du coup c'était un peu l'identifiant du cadenas qui était propre au cadenas et qui changeait jamais. C'était pas compliqué de récupérer ce lock ID, mais par exemple s'il changeait périodiquement, ça nous aurait ralenti nous parce qu'on aurait dû le retrouver à chaque fois. Donc potentiellement ça serait une piste à explorer pour des gens qui construisent des cadenas connectés. Et enfin aussi, il faudrait essayer de rajouter un mécanisme anti-rejeu. On a beaucoup bossé en prenant des communications qu'on avait interceptées, en essayant de les rejouer pour voir « Oh, tiens, il y a un message de déverrouillage, est-ce qu'on peut le rebalancer comme ça ?» Ça n'a pas marché de suite, mais en faisant ça, nous, ça nous a permis d'apprendre sur le cadenas et sur comment il fonctionnait. Et c'est juste qu'il y avait eu un mécanisme anti-rejeu qui nous bloquait à ce moment-là ou qui nous empêchait de réessayer bah, pour je sais pas, les 30 prochaines secondes. Quoi. Ça nous aurait beaucoup ralenti. Et ralentir des attaquants, c'est quand même un gros pas. Enfin, on va parler du mode hors ligne. Ce mode hors ligne, on ne comprend pas trop bah, qu'est-ce qu'il vient faire là dans l'application. Surtout qu'en général, là, on ne voit pas d'utilité du coup, pour l'expérience utilisateur. Si vous voulez déverrouiller du coup, le cadenas depuis votre portable, quoi qu'il arrive, il faut que vous soyez à proximité pour pouvoir bah, connecter le cadenas à l'application. Donc à partir de là, bah, si vous avez enregistré votre empreinte, autant utiliser l'empreinte si vous n'avez pas Internet plutôt que ce mode hors ligne. Enfin, il a pas trop d'utilité actuellement. Donc, si les constructeurs tenaient à le garder, il faudrait totalement, à notre avis, le redesigner. Mais au mieux, il faudrait le supprimer. Parce que, comme on a vu, un attaquant qui réussit à avoir des accès sur le cadenas, à partir du moment où il va se mettre en mode hors ligne, ça ne sera pas possible de lui supprimer ses accès. Et du coup, bah, c'est cool. Toi, tu as juste à avoir ton accès initial. Après, tu es en mode hors ligne et tu es pépère à tout jamais. Et tu pourras déverrouiller le cadenas quand tu veux. Du coup, il pose quand même des gros soucis. Et en dernière recommandation, là on voit que les constructeurs ils ont un peu fait leur sauce sur ce qui est la sécurité du cadenas. Néanmoins, quand on utilise le Bluetooth Low Energy, il y a quand même déjà certaines choses qui sont mises en place dans le Bluetooth Low Energy en ce qui concerne la sécurité et ce qui là n'a pas été utilisé.
Donc juste, bah, quand on utilise du plutôt l'énergie, autant suivre les recommandations et les standards, parce que ça nous protégera déjà de quelques vulnérabilités, pas toutes, mais déjà pas mal. Je vais laisser Alexandre conclure notre présentation. Donc pour conclure, premièrement, on a vu que c'était un objet vraiment pas du tout bien sécurisé, énormément de vulnérabilités, et la principale raison de ces vulnérabilités, c'est que le canard repose sur la sécurité par l'obscurité. Donc si on ne va pas fouiller dans l'APK, si on ne cherche pas d'infos, bah, a priori on ne peut pas faire grand-chose. Mais dès qu'on a accès aux informations, bah, c'est plus ou moins open bar, quoi. Malheureusement, ce n'est pas un cas isolé, et c'est même un peu un cas d'école dans l'IoT, où surtout pour ceux qui utilisent BLE, ils sont réputés pas très sécurisés. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire de mettre en place des mesures de sécurité. Là, pour le coup, c'était un cadenas, donc c'était pas la fin du monde, mais on peut penser à des choses beaucoup plus graves. Si, par exemple, on est dans de la domotique, je sais pas, avec des caméras de surveillance, par exemple, ça peut très vite dégénérer si ces appareils sont si peu sécurisés. Donc c'est vraiment très important de mettre en place des mesures de sécurité, même si c'est pas au centre de l'attention, vu que c'est souvent des objets pas très cher, et donc on n'est vraiment pas dans une optique de security by design. C'est tout. Merci pour votre attention. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Ici, est-ce que vous m'entendez? Oui. On peut pas mettre des équipés là? On peut pas mettre des équipés là? En fait, je me posais comme question, c'est niveau matériel pour utiliser Mirage. Vous avez utilisé quoi ? Seulement deux dongles, surtout pour la partie man in the middle. Un dongle qui reçoit côté cadenas et un autre côté téléphone, c'est tout. Donc des dongles plus ou moins classiques, quoi. Classiques. D'accord, merci beaucoup. De rien. Ça vous prend ça vous prendrait combien de temps de brute-forcer le Lock ID ? Je n'ai pas les calculs en tête, mais 16 caractères en ASCII, c'est faisable, non ? En fait, le principal problème, ce n'est pas le temps, mais c'est plutôt le fait que le cadenas se déconnecte en permanence, et il n'est vraiment pas stable, donc c'est un peu embêtant à brute forcer, mais pour le coup, ce n'est pas le temps le problème. Là, en soi, nous... on l'a vraiment récupéré dans les communications, du coup, parce que c'était plus rapide et plus simple pour nous. Parce que, comme on a dit, vraiment, le cadenas, en plus de ne pas être super ouf niveau sécurité, il n'est pas super ouf en tant que base de cadenas. Et du coup, vraiment, dès qu'on essayait de faire des choses sur le cadenas, la connexion n'était pas vraiment fiable. Et du coup, le brute force aurait pris plus de temps à cause de ça. Mais sinon, en temps normal, ça ne prendrait pas énormément de temps. Oui. Moi, j'ai une question par rapport... j'ai deux questions par ici. La taille de la clé, je la trouve un peu petite par rapport à l'AES. Et j'avais une question par rapport au... Enfin, il y a deux données chiffrées. Il y a les paquets et il y a les challenges. Et je voulais savoir si c'était la même clé qui chiffrait les paquets et les challenges. Merci. Oui, c'est la même clé. Hein. Oui, c'est la même clé, donc clé symétrique pour toutes les communications. Et pour le challenge aussi. Et concernant la taille de la clé ? La taille, je pense qu'elle apparaît petite parce qu'elle est en hexadécimal. C'est ça, non ? Allô ? Moi, j'ai une autre question. En fait, dans le deuxième exploit, vous vous dites reset l'empreinte. Est-ce qu'on peut faire la même chose, mais en injectant une empreinte non autorisée ? On a essayé, on n'a pas réussi, mais je pense que c'est faisable. Quand on observait les communications pour le fait qu'on rajoutait une empreinte, il y a vraiment des communications qui sont propres à notre empreinte digitale. C'est ça qui a été compliqué pour nous à rejouer et à essayer de faire. Théoriquement, je pense avec plus de temps, c'est possible, mais il y a vraiment toute cette partie... Mon micro marche, ok. Toute cette partie, du coup, où il faut mettre des paquets avec théoriquement des données qui sont propres à ton empreinte, qu'il faudrait réussir à bosser dessus. Ici. Excusez-moi, j'ai une question. Est-ce que la contrainte matérielle sur ces objets n'imposerait pas plutôt de la crypto légère ?
Donc là, l'algorithme de crypto que vous avez cité est problématique. On voit bien qu'on ne peut pas embarquer un HSM ou des composants type TPM ou dans ce genre d'objet. Vous avez dit que ce n'est pas cher. On ne va pas mettre un composant crypto qui coûte plus cher que l'objet en lui-même. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que vous avez raison. Peut-être juste déjà changer l'algorithme, ça pourrait être une première étape, parce que ce n'est même pas forcément le meilleur algorithme AES possible. Donc je pense que c'est déjà peut-être la première étape si on veut vraiment rester sur quelque chose de très simple. Et pour ajouter quelque chose à sa réponse, il y a des mécanismes de sécurité basiques du Bluetooth Low Energy qui pouvaient être implémentés. Ça aurait été beaucoup plus sécurisé si ça avait été utilisé. Alors, j'ai une question pour vous concernant l'instrumentalisation de l'attaque. Vous envoyez des trams custom, vous avez patché ou scripté Mirage, ou vous avez directement utilisé du code développé par vous-même via la lib BlueWaze ou autre sous Linux? Du coup, là, ce qu'on vous avait présenté, c'était Mirage, où on a fait la plupart de notre travail dessus. Mais dans les vidéos qu'on a fait pour les exploits, on n'avait pas vraiment utilisé totalement Mirage, mais quelque chose qui s'appelle WAD. Pareil, c'est notre tuteur de projet, du coup, Romain Kerr, qui est en train de bosser dessus et qui est en train de créer l'outil. Et du coup, ça permettait un peu de récupérer les mêmes fonctionnalités que Mirage, mais en le rajoutant, du coup, à des scripts Python. Du coup, on a vraiment créé notre script d'attaque en Python. Et du coup, l'outil n'est pas encore disponible, c'est ça? Non, pas encore. D'accord, merci. Bonjour, merci pour votre présentation, très intéressante. J'ai une petite question, alors ça casse un petit peu l'idée d'attaquer en faisant du reverse, du Bluetooth et autres, mais vous avez regardé un petit peu les possibilités plus physiques d'attaque sur le canal, c'est-à-dire il n'y a pas de serrure, à proprement parler, de cylindre ou autre, mais genre du shimming, NMP ou je ne sais quoi d'autre. Est-ce que vous avez regardé un petit peu ce genre de choses? Du coup, non, on n'a pas commencé à être en mode sur le physique, sur le matériel, tout simplement parce que, comme on l'a dit, c'était un projet étudiant, on avait un seul cadenas, du coup, si on le pétait, on était un peu foutu pour la suite. Du coup, on a évité de le péter. Mais après, même avec du, le shimming, vous voyez un peu ce que c'est ou pas, du coup Alors, en fait, hier soir, il y avait une petite présentation justement sur du lockpicking, mais quand on n'a pas vraiment quand on débute, on va dire. Et il y avait justement cette technique avec une espèce de petite rondelle métallique que vous passiez justement dans une des, je sais pas le terme, mais là où le canard en fait va s'insérer. Et ça avait l'air assez efficace, donc peut-être que ça pourrait fonctionner là. Mais après, oui, ça pourrait peut-être endommager le canard. Et bon, après, du coup, ça fait que si vous y arrivez comme ça, peut-être que ça rend tout le reste du travail un peu caduque, mais bon, ça reste en tout cas très intéressant. Mais ça pourrait être une piste à voir, hein, peut-être du coup, avant de lancer du reverse engineering, mais même si en soi, c'est quand même très intéressant. Ouais, de ouf. Je crois qu'il va conclure. Bonjour, merci pour votre présentation. Moi, j'avais une question. Est-ce que vous avez, vous ou vos encadrants, contacté les développeurs de ce produit? Si oui, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Et sinon, pourquoi vous ne les avez pas contactés? Du coup, honnêtement, on ne les a pas contactés parce qu'on pensait que le projet allait rester en mode projet étudiant, hop, c'est bon, c'est fini, on passe à autre chose, on va à nos stages. Et au final, on a postulé là pour le hack et on n'était pas sûr d'être pris. Et quand on a été pris, on a été préoccupé à préparer la présentation. Du coup, on sait que ça va être quelque chose qu'on va faire là pour la suite, potentiellement, de les prévenir. Mais c'est juste que là, niveau timing, on n'a pas eu le temps pour l'instant. Mais vraiment, c'est dans nos perspectives. C'est pour ça qu'on a gardé l'anonymat du constructeur. Mais on compte faire un papier parce que le cadenas est vraiment pas très sécurisé. Et sachant aussi que ça sera la première fois pour nous de le faire, du coup, on ne sait pas encore exactement les étapes de comment ça se passe. Donc on sait que là, après la conf, c'est notre prochaine étape, prévenir les constructeurs. Merci beaucoup.